Donc, deuxième heure, ou plutôt seconde heure. Je terminais la première heure en disant qu'à présent, c'était des thèses de John Locke qu'il nous fallait dire un mot. Donc, le premier point sera l'idée du mouvement comme paradigme de l'action. On l'a vu souvent, ici, ailleurs, mouvement et action sont constamment mis en parallèle. J'évoquais l'an dernier, lors du séminaire du 27 mars 2014, comme les séances sont enregistrées, vous pouvez toujours vous y reporter si le désir vous en prend. J'évoquais l'an dernier donc l'admirable passage des analytiques, des secondes analytiques, où Aristote compare la pensée qui se stabilise et s'arrête, la pensée se faisant par mouvement et arrêt, la pensée qui se stabilise et s'arrête à une armée en fuite, une armée en fuite, qui tout à coup se fixe et fait front. Je cite, comme dans une bataille, au milieu d'une déroute, un soldat s'arrêtant, un autre s'arrête, puis un autre encore, jusqu'à ce que l'armée soit revenue à son ordre primitif. C'est dans le chapitre 19 du deuxième livre des Secondes analytiques. Chez Locke, la circularité d'implication des deux notions, mouvement et action, prend une forme bien précise, l'action humaine, se subdivise en deux, pensée et mouvement. Le paragraphe 8 de l'essai concernant l'entendement humain, Essay Concerning Human Understanding, le paragraphe 8 le dit clairement. All the actions that we have any idea of reducing themselves to these two, alors, quoi donc? Thinking and motion, so far as a man has power to think or not to think, to move or not to move, or according to the preference or direction of his own mind, so far a man is a man free. Traduction de Pierre Coste, donc, 1714, que je cite, non pas que nous manquions de traduction moderne, n'est-ce pas, mais parce que nous reparlerons de Coste dans quelques minutes. Donc Coste, le premier traducteur de Locke, est celui qui a introduit en français un certain nombre de néologismes bien utiles, comme nous le verrons. Toutes les actions dont nous avons quelque idée se réduisent à ces deux, mouvoir et penser. Tant qu'un homme a la puissance de penser ou de ne pas penser, de mouvoir ou de ne pas mouvoir, conformément à la préférence ou au choix de son propre esprit, jusque-là, il est libre. S'il n'y a que deux sortes d'actions, penser et mouvoir, c'est malgré tout, c'est quand même en termes de mouvement que Locke présente l'action de penser et partant de là, définit la liberté de penser. Entendez, le libre jeu de la faculté de penser. Il définit la liberté de penser comme une sorte de liberté de mouvement.
où l'on retrouve d'une certaine manière l'idée d'Aristote évoquée tout à l'heure. Voici ce superbe texte de l'essai philosophique concernant l'entendement humain, où l'on montre quelle est l'étendue de nos connaissances certaines et la manière dont nous y parvenons, traduit de l'anglois de M. Locke par Pierre Coste. Donc, voici donc livre 2, chapitre 21, paragraphe 12. Voici le texte de Locke. « Il en est des pensées de l'esprit comme des mouvements du corps. Lorsqu'une pensée est telle que nous avons la puissance de l'éloigner ou de la conserver, conformément à la préférence de notre esprit, nous sommes en liberté à cet égard. Un homme éveillé étant dans la nécessité d'avoir constamment quelques idées dans l'esprit. Si, je vous assure, un homme éveillé est dans la nécessité d'avoir constamment quelques idées dans l'esprit. Mais voilà, étant dans la nécessité d'avoir constamment quelques idées dans l'esprit, il n'est non plus libre de penser ou de ne pas penser, qu'il est en liberté d'empêcher ou de ne pas empêcher que son corps touche ou ne touche point aucun autre corps. Mais de transporter ses pensées d'une idée à l'autre, c'est ce qui est souvent en sa disposition. Et en ce cas-là, il est aussi libre par rapport à ses idées qu'il y est par rapport au corps sur lesquels il s'appuie, pouvant se transporter de l'un sur l'autre comme il lui convient en fantaisie. Ou plutôt comme il lui vient en fantaisie. Mouvoir ses pensées en mouvant ses idées, les éloigner ou les retenir, les tenir à distance ou les rappeler, bref, en être le moteur, voilà ce qui apparente la pensée, le mouvement de la pensée, du mouvement en l'esprit, au mouvement, à la motion du corps par l'esprit. Il y a des idées fixes, des idées que l'on ne peut éloigner, des idées qui s'imposent, comme l'extrême douleur ou la passion violente. Leur empire, dit Locke, leur empire sur nous, leur emprise, leur empire sur nous cesse quand l'esprit recouvre sa motricité. Entendez, sa motricité comme puissance de mouvoir, de mettre en mouvement. Non pas sa puissance d'être ému. Il y a des idées qui, comme certains mouvements du corps, sont tellement fixées dans l'esprit que dans certaines circonstances, on ne peut les éloigner, quelque effort qu'on fasse pour cela. Un homme à la torture n'est pas en liberté de n'avoir pas l'idée de la douleur. Enfin, l'idée de la douleur, c'est éprouver une douleur. C'est une terminologie sur laquelle on reviendra dans le séminaire, quand on travaillera un peu la notion d'idée. En tout cas, un homme à la torture n'est pas en liberté de n'avoir pas l'idée de la douleur et de l'éloigner en s'attachant à d'autres contemplations. Non, peu mais. Hein. Quelquefois, une violente passion qui agit sur notre esprit, comme le vent le plus furieux agit sur nos corps, sans nous laisser la liberté de penser à d'autres choses auxquelles nous aimerions bien mieux penser. Mais lorsque l'esprit reprend la puissance d'arrêter ou de continuer, de commencer ou d'éloigner quelqu'un des mouvements du corps ou quelqu'une de ses propres pensées, c'est l'analogie parfaite entre la gestion du corps, si on peut dire, et celle des pensées. Quelqu'un des mouvements du corps ou quelqu'une de ses propres pensées, selon qu'il juge à propos de préférer l'une à l'autre, un mouvement à un autre, une pensée à une autre, dès lors, nous le considérons comme un agent libre. Selon ce schéma moteur,
la nécessité qui s'oppose à la liberté a deux formes dans un agent capable de volition. Entendons qu'elle s'y exerce sous deux formes, la contrainte et la cohibition. Là où manque toute pensée, là où le pouvoir d'agir ou de s'abstenir selon la direction de l'esprit fait défaut, c'est la nécessité qui règne. Là où il y a pensée, là où le pouvoir d'agir ou de s'abstenir selon la direction de l'esprit est attesté, eh bien, c'est la liberté, peut-on imaginer, qui va régner. Mais, voyons, si le commencement ou la continuation d'une action est contraire à la préférence de son esprit, autrement dit, si l'on oblige l'agent à faire quelque chose, à commencer ou à continuer une action, il y a, dit Locke, contrainte. Si c'est l'empêchement ou la cessation d'une action qui est contraire à la préférence de son esprit, autrement dit, si on oblige l'agent à ne pas faire, soit qu'on l'empêche de faire ou qu'on l'oblige à s'arrêter, il y a cohibition. Un des néologismes forgés par Pierre Coste, le traducteur, pour rendre restraint par un substantif sur le modèle du latin cohibitio, on dirait probablement sans doute aujourd'hui inhibition. Lorsque la nécessité se trouve dans un agent capable de volition et que le commencement ou la continuation de quelque action est contraire à cette préférence de son esprit, je la nomme contrainte, en anglais compulsion. Compulsion. Contrainte. Lorsque l'empêchement ou la cessation d'une action est contraire à la volition de cet agent, qu'on me permette de l'appeler cohibition, c'est évidemment Coste qui parle. Le traducteur passe dans le texte traduit. Il y a d'ailleurs une note où il dit, Coste, paragraphe 13, ce mot, cohibition, n'est pas français, mais je m'en sers, faute d'autres, car si je ne me trompe, nous n'en avons aucun pour exprimer cette idée. En effet, le père Tachard, dans son dictionnaire latin et français, n'a pu bien expliquer le terme latin cohibitio que par cette périphrase, l'action d'empêcher qu'on ne fasse quelque chose. Alors, de cela, Locke tire la thèse générale que reprend Chisholm. La liberté n'appartient pas à la volonté. Une puissance, la liberté, n'appartient pas à une autre puissance. Elle appartient à un agent. La liberté est une puissance, une faculté, a power. Ce ne peut être un attribut de la volonté, qui est elle-même une puissance, a power. On peut donc, écrit Locke, terminer la question agitée depuis si longtemps, mais très absurde, puisqu'elle est inintelligible, si la volonté de l'homme est libre ou non. Question agitée depuis si longtemps, mais très absurde. Alors, car de ce que je viens de dire, une puissance n'appartient pas à une autre puissance, elle appartient à un agent. Il s'ensuit nettement, si je ne me trompe, que cette question, si la volonté de l'homme est libre ou non, cette question considérée en elle-même est très mal conçue, et que demander à un homme si sa volonté est libre, c'est tomber dans une aussi grande absurdité
que si on lui demandait si son sommeil est rapide ou sa vertu carrée. Parce que la liberté peut être aussi peu appliquée à la volonté que la rapidité du mouvement au sommeil ou la figure carrée à la vertu. Tout le monde voit l'absurdité de ces deux dernières questions. Est-ce que le sommeil est rapide? Est-ce que la vertu est carrée? Et qui les entendrait proposer sérieusement ne pourrait s'empêcher d'en rire. Parce que chacun voit sans peine que les modifications du mouvement n'appartiennent point au sommeil, ni la différence de figure à la vertu. Je crois de même que quiconque voudra examiner la chose avec soin verra tout aussi clairement que la liberté, qui n'est qu'une puissance, appartient uniquement à des agents et ne saurait être un attribut ou une modification de la volonté qui n'est en elle-même rien d'autre, rien d'autre chose qu'une puissance. Reprenons. Attribuer la liberté à la volonté. Selon Locke, c'est traiter une puissance, power, faculté, la volonté, c'est traiter une puissance comme un agent. C'est la traiter comme un sujet agissant. Notez la rencontre des deux termes, sujet et agissant. Une de ces rencontres que l'archéologie du sujet s'efforce de tracer. Rencontre qui s'explique aisément. La liberté ne peut s'attribuer à la puissance, la volonté, mais à l'agent. Or, l'agent n'est autre que le sujet de cette puissance. C'est donc lui, ce sujet, par transitivité, qui peut être dit agir ou agissant. On dira bientôt sujet-agent. L'erreur consistant à traiter une puissance comme un agent est, dit Locke, favorisée et amplifiée par le nom de faculté donné à ces puissances comme à autant d'êtres distincts qui puissent agir. Donner à power le nom de faculté, faculté, ça a pour conséquence regrettable que l'on va considérer les dites facultés comme autant d'êtres distincts qui puissent agir. Geste, donc, qui aboutit à multiplier jusqu'à l'extravagance les facultés en l'homme, mais aussi geste qui, en mettant ces facultés en interaction, ouvre la porte à des questions elles-mêmes absurdes, comme celle, dit Locke, de savoir si l'entendement, une puissance, peut agir sur la volonté, une autre puissance, et réciproquement, et pour finir, aboutit à placer en l'homme autant d'agents distincts qu'on a mis en lui ou en son esprit de facultés distinctes. Combien sommes-nous en moi à faire ce que je fais? Combien d'agents y a-t-il en moi? Autant qu'on a compté de facultés distinctes. La puissance de faire une certaine action, dit Locke, n'opère point sur la puissance de faire une autre action, car la puissance de penser n'opère non plus sur la puissance de choisir, ni la puissance de choisir sur celle de penser, que, alors non plus égale pas plus, hein, donc la puissance de penser n'opère pas plus sur la puissance de choisir, ni la puissance de choisir sur celle de penser, que la puissance de danser opère sur la puissance de chanter, ou la puissance de chanter sur celle de danser, comme tout homme qui voudra y faire réflexion le reconnaîtra sans peine. C'est pourtant là ce que nous disons lorsque nous nous servons de ces façons de parler, la volonté agit sur l'entendement ou l'entendement sur la volonté. Vient la thèse centrale qui préside à la problématique moderne de la liberté telle que la reprend et la réarticule Chisholm et qui pour nous signe un moment ou une figure particulière de ce qu'on a appelé l'an dernier, en liaison critique avec Foucault, la question de l'homme, celle de la naissance, donc aussi de la mort de l'homme.
En tout cela, dit Locke, que l'on chante, que l'on danse, que l'on veuille ou que l'on pense, ce n'est pas une puissance qui agit sur une autre puissance, c'est l'esprit ou l'homme qui met en œuvre ces puissances. Car les puissances sont des relations et non des agents. Powers are relations, not agents. Ces quelques lignes sont extrêmement importantes. It is not one power that operates on another. It is the mind that operates and exerts these powers. It is the man that does the action. It is the agent that has power or is able to do. Car les puissances sont des relations et non des agents. Powers are relations, not agents. Les puissances sont des relations, non des agents. Gardez à l'esprit ce théorème, nous le retrouverons. Pour l'instant, notez ce que Locke en tire, à savoir qu'il ne faut pas multiplier les agents en l'homme, sous prétexte que l'homme, par ses diverses activités, est engagé dans diverses relations. Compter un agent par activité, au lieu d'une relation par activité, voilà l'erreur. Ce n'est pas la capacité d'agir qui a la capacité d'agir. C'est l'agent. Locke débusque l'erreur catégorielle, faire de la puissance un agent au lieu d'une relation, qui fonde ce que j'appelle la théorie des deux agents, théorie que nous retrouverons quant à nous ici même, au cœur du problème christologique qui, dans l'Antiquité tardive, a, et pour des siècles, donné à l'anthropologie philosophique un cadre original dont l'importance théorique et la valeur heuristique commencent à peine d'être reconnues. C'est cette référence de l'action à l'agent plutôt qu'à la faculté qui fonde la juste perspective sur la liberté. Deux thèses, c'est l'agent qui agit, pas la faculté, c'est l'homme qui est libre, pas la volonté. Je cite, c'est celui qui fait l'action qui a la puissance ou la capacité d'agir, et par conséquent, ce qui a ou qui n'a pas la puissance d'agir, c'est cela seul qui est ou qui n'est pas libre, et non la puissance elle-même. Car la liberté ou l'absence de la liberté ne peut appartenir qu'à ce qui a ou n'a pas la puissance d'agir. En résumé, c'est l'homme qui est ou non libre, non sa volonté, et c'est de l'homme que se posent les trois questions de Chisholm que nous pouvons articuler sur le quadrilatère du vouloir faire, vu le 6 janvier, en combinant vouloir faire, vouloir ne pas faire et ne pas vouloir faire. Je rappelle donc des trois questions de Locke. L'homme est-il libre de vouloir les choses qu'il veut effectivement faire ? Libre de ne pas vouloir telle d'entre les choses qu'il veut faire, libre de vouloir telle d'entre les choses qu'il ne veut pas faire. En matière de liberté, la question philosophique fondamentale, dirons-nous, est celle de la responsabilité. Si le problème de la liberté humaine est le problème de la responsabilité d'un agent libre. La question qu'il nous pose, ce problème de la liberté humaine, ne se réduit pas à celle de savoir si l'homme est libre de faire ce qu'il veut. C'est la question de savoir s'il est responsable de ce qu'il veut faire. Chisholm illustre clairement ce point en remontant au Moyen Âge.
En l'occurrence, à une distinction fondamentale, esquissée dans l'exemple du deuxième tireur, qui presse la gâchette en pressant le doigt du premier. La distinction entre acte dit illicité et acte dit impéré. Dans Freedom of the Will, le théologien américain anti-arménien, donc j'ai bien dit anti-arménien et pas anti-arménien, hein, anti-arménien, Jonathan Edwards, 1703-1758, un des principaux acteurs de ce qu'on a appelé par la suite le Grand Réveil, hein, Great Awakening, auteur d'un célèbre sermon, Sinners in the Hands of an Angry God, pécheurs dans les mains d'un Dieu en fureur, prononcé le 8 juillet 1741 à Enfield, Connecticut. Eh bien, dans Freedom of the Will, le théologien Jonathan Edwards avait dit Chisholm tenté de se limiter à la question « L'homme est-il libre de faire ce qu'il veut ?» Mais la réponse à cette question, à supposer qu'il y en ait une, ne nous dira jamais si l'homme est responsable de ce qu'il veut effectivement faire. Alors, j'aurai l'occasion de reparler un peu de Edwards, de l'arminianisme et de l'anti-arminianisme, de Jacobus Arminius et d'autres auteurs engagés dans la grande controverse sur la prédestination supralapsaire, mais je reviendrai là-dessus par la suite. J'aurai l'occasion de parler de ce personnage. J'ai indiqué son œuvre majeure pour ce qui nous intéresse et ce qui intéresse Chisholm, qui est américain, qui donc discute le grand théologien américain des années 1750. Careful and strict inquiry into the modern prevailing notions of that freedom of the will which is supposed to be essential to moral agency, virtue and vice, reward and punishment, praise and blame. Les titres à l'époque étaient plus longs que dans les ouvrages actuels, n'est-ce pas, où on considérerait qu'on a là utilisé tous les mots à disposition pour écrire un article et qu'en rajouter un serait peut-être charger trop lourdement la barque. En tout cas, c'est dans le cadre de cette discussion de l'erreur de Edwards qui se limite à la question « L'homme est-il libre de faire ce qu'il veut ?» que Chisholm recourt à la distinction médiévale de l'actus illicitus et de l'actus imperatus, acte illicité, acte impéré. Voici ce qu'il écrit, en employant une autre distinction médiévale. Nous pouvons dire que le problème métaphysique de la liberté ne concerne pas l'actus imperatus. C'est-à-dire qui ne concerne pas la question de savoir si nous sommes libres d'accomplir tout ce que nous voulons faire ou projetons de faire. Mais l'actus illicitus, c'est-à-dire la question de savoir si nous sommes libres de vouloir faire ou d'établir de faire les choses que nous voulons faire ou projetons de faire. Using another pair of medieval terms, dit-il, ce qui est rendu en français par en employant une autre distinction médiévale, using
another pair of medieval terms. Pour utiliser un autre couple de notions, de termes médiévaux, hein, dit Chisholm. Alors, en tout cas, deux thèses et deux questions. Deux questions et deux thèses. C'est une chose de demander si les choses qu'un homme veut sont des choses qui sont en son pouvoir. Problème de l'acte impéré. C'est une chose tout à fait différente de demander si son vouloir lui-même est quelque chose qui est en son pouvoir. Problème de l'acte illicité. Deuxième thèse de Chisholm. Le problème de l'acte illicité n'est pas le problème de la liberté de la volonté, c'est, comme le dit Locke, le problème de la liberté de l'homme. Chisholm, je l'ai dit, parle de another pair of medieval terms, un autre couple de termes. Pourquoi ? Parce que au paragraphe 6 de Human Freedom and the Self, il a déjà introduit une première distinction, un premier couple de termes médiévaux. Une première distinction entre deux sortes de causalité. La causalité dite transitive, transient causality, et la causalité dite immanente, immanent causality. Cette distinction entre deux types de causalité, qui est une innovation de Chisholm, est fondée dans la distinction aristotélicienne entre deux types d'actions, l'action transitive et l'action immanente. Cette distinction qui a son origine chez Aristote, donc, est formulée au Moyen Âge à l'aide des termes transiens et immanens. La distinction aristotélicienne des deux types d'actions, dans le latin scolastique transiens et immanens, donc est l'élaboration médiévale d'un ensemble de distinctions et de concepts aristotéliciens produits par le Stagirite, par Aristote, dans le cadre d'une réflexion sur la différence entre praxis et poiesis. Dans le latin de l'école, la différence donc passe initialement entre axio transiens extra et axio manens in agente. Une axio transiens extra, c'est une action qui passe au dehors, qui est dirigée vers l'extérieur, hors de l'agent, hein, et évidemment, axio manens in agente, c'est une action qui demeure dans l'agent. Le trait distinctif de base, disons, est donc dehors, opposé à dedans. Précisons, la plupart des médiévaux s'accordent ou finissent par s'accorder sur une série de points, notamment sur les éléments à combiner ou à articuler dans l'analyse d'une action. Alors, quels sont ces éléments ? Un agent, un patient, un sujet, un objet, un principe initial et un terme final. Toute action comporte un agent et un patient, quelque chose qui agit, quelque chose qui pâtit. Toute action comporte un point de départ ou principe, principium, et un point d'arrivée ou d'application, terminus. On dirait aujourd'hui un sujet qui agit et un objet sur quoi il agit ou qui est visé dans et par l'action. Aristote le dit clairement dans la métaphysique, quand le résultat de l'action est extérieur à l'agent, le mouvement, par exemple celui de bâtir, de construire, est dans le mu,
quand le résultat de l'action est extérieur à l'agent, le mouvement est dans le mu. Quand il n'y a pas, en revanche, de produit extérieur à l'acte lui-même, le mouvement ne sort pas de l'agent. Parmi nombreux textes qui font état de cette distinction, celui-ci, Métaphysique, livre 9, chapitre 8, dans la traduction Tricot, Gévrin, page 513-514, dans tous les cas où, en dehors de l'exercice, il y a production de quelque chose, l'acte est dans l'objet produit, l'action de bâtir, par exemple, dans ce qui est bâti, l'action de tisser dans ce qui est tissé. Il en est de même pour le reste, et en général, le mouvement est dans le mu. Par contre, dans tous les cas où aucune œuvre n'est produite en dehors de l'acte, l'acte réside dans l'agent lui-même. C'est ainsi que la vision est dans le sujet voyant, la science dans le savant et la vie dans l'âme. Voilà beaucoup de sujets, voilà beaucoup d'objets, ils ne sont pas dans le texte grec, c'est pas grave, vous avez au moins cette distinction claire. Quand il y a production d'un effet à l'extérieur de l'agent, le mouvement est dans ce qui est produit, alors que lorsqu'il n'y a pas d'œuvre produite en dehors de l'acte, eh bien l'acte réside dans l'agent. Donc les médiévaux soutiennent qu'il y a deux sortes d'actions. L'une qui demeure interne à l'agent, qui commence en lui et qui s'achève en lui. C'est l'action immanente, qui est dite demeurer ou s'apaiser dans l'agent. L'autre s'exerce sur une autre chose ou sur une matière extérieure. C'est l'action transitive, qui est dite sortir ou tendre ou passer dans quelque chose d'autre ou dans une matière extérieure. Sicut in subjecto, comme dans un sujet, subjectum ayant encore le sens que nous avons maintes fois rappelé, d'objet, de forehandedness, le thing at hand, antérieur, donc à ce que j'appelle le chiasme sujet-objet. Chez les médiévaux, comme chez Aristote, la distinction est utilisée pour théoriser la différence entre le psychique, où règne la causalité immanente, et le physique, où règne la causalité transitive. Sentir, penser et vouloir sont considérés comme des activités immanentes au sujet qui sent, pense et veut. Ce sont des activités psychiques. Dans l'activité physique, en revanche, l'action de l'agent passe, aboutit à, se termine dans le patient, comme par exemple l'action de chauffer pour le feu ou de bâtir pour l'architecte. Un exemple parmi des dizaines, ce texte tiré du commentaire des sentences de Thomas d'Aquin. Il faut dire, dicendum, que comme le rapporte Aristote, certaines des actions, quaedam actionum, certaines des actions passent dans la matière extérieure, sur laquelle elles opèrent, operantur aliquem effectum, un effet. Comme on le voit dans les actions naturelles, les actions physiques, où le feu chauffe le bois, et les œuvres artisanales, où l'ouvrier construit la maison avec une matière. Et en de telles choses, in talibus, axio est recepta in eo quod fit, permodum passionis. En de telles choses, l'action est reçue dans ce qui est fait sur un mode de passion, dans la mesure où le mouvement est dans le mu comme dans un sujet. C'est pourquoi pour elle, c'est dans ce qui agit que l'on trouve l'action et dans ce qui subit que l'on trouve la passion. Mais quaedam vero sunt, quae in exteriorem materiam non transeunt ut effectum aliquem circa ipsam producant. Mais il y en a certaines actions qui ne passent pas dans la matière extérieure pour produire un effet sur elle, comme c'est le cas
dans la vision, qui, comme elle est l'action de celui qui voit, ne produit aucun effet dans la chose vue. Je vois ce mur, rien n'arrive à ce mur du fait que je le vois. Aucun effet n'est produit en lui, c'est en moi que se produit quelque chose, à savoir qu'il y a vue du mur. Bon, de telles actions qu'on appelle au sens propre des opérations sont seulement dans ceux-là même qui opèrent, dit Thomas d'Aquin. C'est cette distinction. On pourrait citer 20 passages, n'est-ce pas, identiques. C'est cette distinction que reprend Chisholm en la transposant de l'action, donc théorie de l'action, action immanente, action transitive, en la transposant de l'action à la causalité. Et en connectant cette distinction entre deux formes de causalité à la distinction entre acte impéré, c'est-à-dire acte commandé, et acte illicité. Telle qu'il la reformule, la causalité transitive est définie par Chisholm comme une causalité entre événements, entre deux événements. Un événement E1 cause un autre événement, l'événement E2. Ce que j'ai noté, ça n'a aucune valeur formelle, n'est-ce pas ? C'est une notation mnémotechnique, ça illustre. E1 cause E2, par Chisholm. Donc, transient causation, when one event causes some other event. Donc, la causalité immanente, selon Chisholm, est une causalité entre un agent et un événement. Ou entre un agent et un état de choses. On peut noter A cause, alors agent cause événement. Immanent causation, when an agent causes an event or state of affairs. Donc le problème de Chisholm est de trouver une voie moyenne entre deux affirmations maximalistes qui correspondent respectivement au déterminisme et à l'indéterminisme dont nous sommes partis durant cette séance. Donc ces deux affirmations maximalistes, tout événement impliqué dans un acte humain est causé par un autre événement, donc la structure qui s'applique c'est E1 cause E2, ou bien rien de ce qui est impliqué dans un acte humain n'est causé par un événement. Ce n'est pas le cas que un événement 1 en cause un autre. La thèse de Chisholm est que au moins l'un des événements impliqués dans l'acte accompli par un agent est causé non par un autre événement, mais par autre chose, à savoir l'homme, autrement dit l'agent lui-même. Événement naturel et activité humaine se distinguent donc par le mode de causalité. Pour les objets naturels inanimés, la causalité, lorsqu'elle intervient, est toujours une relation entre événement ou état de chose. E1 cause E2. En revanche, lorsqu'un homme est responsable d'un acte particulier, il doit y avoir alors un événement ou un ensemble d'événements qui soit causé non pas par d'autres événements ou état de chose, mais par l'agent, quelle que soit par ailleurs la nature de celui-ci. C'est cette exigence que la distinction entre causalité immanente et causalité transitive vient satisfaire. Une relation causale donc entre événements est dite transitive, une relation causale entre un agent et un événement ou état de chose est dite immanente. On le voit, Chisholm transpose la distinction médiévale des deux formes d'action et il le reconnaît lui-même. Voilà ce qu'il disait, paragraphe 6, « J'emprunterai une distinction médiévale en la détournant peut-être de son sens initial, bon, le peut-être est savoureux. Je dirais que lorsqu'un événement ou état de choses, ou un ensemble d'événements ou d'états de choses cause un autre événement ou état de choses, nous avons alors affaire à un exemple de causalité transitive. Et je dirais que lorsqu'un agent distingué d'un événement cause un événement ou un état de choses, nous avons alors affaire à un exemple de causalité immanente. Cette terminologie, je vous la rappelle ou je vous l'indique, non pas pour le plaisir, mais parce qu'elle elle détermine, elle pèse sur, elle oriente, elle encadre la plupart des discussions actuelles, modernes, sur
la causalité dans le domaine des théories de l'action. Chisholm a subi un océan de critiques, n'est-ce pas, depuis 1964, vous imaginez, c'est le job market qui exige cela aussi. Donc, dans ce sens, il a eu du succès. Mais, bien, en tout cas, ce détournement du sens initial, malgré tout, s'explique. J'emprunterai une distinction médiévale en la détournant peut-être de son sens initial. La transposition, le détournement, est fondée sur un passage canonique de la physique d'Aristote. Sur le bâton qui meut la pierre, est émue par la main, laquelle est mue par l'homme, lequel meut sans être à son tour mu par autre chose. Physique, livre 7, chapitre 5, 256 à 6, 8. Le bâton meut la pierre et est mu par la main, laquelle est mue par l'homme, lequel meut sans être à son tour mu par autre chose. Aristote, physique donc. Hein. Alors, la main meut le bâton qui meut la pierre. La causalité est transitive. La chaîne causale est impérée. Elle est commandée par l'homme. L'homme meut sa main. La causalité, selon Chisholm, est immanente. Du moins, on peut le soutenir, y compris en faisant intervenir le cerveau. L'acte est élicité. On rejoint ainsi la causalité instrumentale et l'action dite indirecte, père Aliyoud. L'homme fait quelque chose, il bouge la main, et cela fait arriver autre chose, le mouvement du bâton, et donc celui de la pierre. Je ne sais pas si beaucoup de gens poussent des pierres avec des bâtons, enfin, mais bon, il y a des exemples curieux parfois, mais en tout cas, admettons. On a ici une différence entre « doing » et « making happen hein, », entre « faire » et « faire arriver ». En tout état de cause, on distinguera au minimum le fait de vouloir bouger la main, ce qu'on fait, c'est pas pour bouger la main, on bouge la main, et le fait de déplacer la pierre. Rien ne peut m'empêcher de vouloir. Le vouloir est un acte illicite et un acte immanent au sens d'Aristote. En revanche, je puis être empêché de bouger la pierre. Elle peut être trop lourde, le bâton peut être trop flexible, des obstacles peuvent bloquer le mouvement. La contrainte extérieure ne peut s'exercer sur la volonté. La puissance de vouloir, l'acte illicité, elle ne peut s'exercer que sur celle d'agir, sur l'acte commandé. Voilà la thèse de Chisholm. Cette analyse est conforme à la conception médiévale de l'acte illicité. Il y aurait beaucoup à dire sur cette conception. La distinction standard entre illicitus et imperatus se trouve dans divers passages, des textes, ne serait-ce que de Thomas d'Aquin, et même dans divers passages, ne serait-ce que de la prima secundae de... Que se passe-t-il ? De la prima secundae de Thomas. Donc. Alors, quelques exemples. Quant aux actes impérés, la question est, la volonté peut-elle être contrainte ? Quant aux actes impérés, c'est-à-dire les actes qui sont commandés par ma volonté, bouger la pierre en bougeant un bâton. Quant aux actes impérés, la volonté peut souffrir violence, elle peut être contrainte. Les membres extérieurs peuvent être empêchés par violence d'exécuter le commandement de la volonté. Mais dans son acte propre, la volonté ne peut être soumise à une violence. Autre passage, il y en aurait des dizaines. Quant à l'acte qui dépend immédiatement d'elle, la volonté ne peut subir de violence, donc de contrainte. L'acte qui dépend immédiatement d'elle, c'est l'acte illicité qu'elle fait surgir à partir d'elle-même. Quant à l'acte qui dépend immédiatement d'elle, la volonté ne peut subir de violence. La violence ne peut donc le rendre involontaire. Mais relativement à l'acte impéré, à l'acte commandé, bouger la pierre, la volonté peut subir une violence, et c'est quant à cet acte que la violence est cause d'involontaire.
De ces affirmations répétées, Thomas d'Aquin tire deux, enfin il y en aurait des dizaines, comme je vous l'ai dit, là je n'en citais que deux. De ces affirmations répétées, Thomas d'Aquin tire deux thèses théologiques. Hein, donc la volonté, l'acte de vouloir en lui-même ne peut subir de violence, et tout ce qui est principe d'un acte volontaire peut être le sujet du péché. De cette théorie de l'acte, Chisholm donne une formulation singulière en reprenant la notion de premier moteur rencontrée sous la plume de Thomas, évoquée tout à l'heure à propos de la thèse de l'Épître aux Philippiens. Chacun de nous, dit Chisholm, entendons chaque agent responsable, et non pas seulement Dieu, chacun de nous est premier moteur non mu. Voilà le texte. Si nous sommes des agents responsables et si ce que j'ai tenté de dire est juste, nous jouissons d'une prérogative que certains n'attribueraient qu'à Dieu. Chacun d'entre nous, lorsqu'il agit, est un premier moteur non mu. En faisant ce que nous faisons, nous causons l'arrivée de certains événements. Et rien, ni personne, ne nous cause à causer l'arrivée de ces événements. Rien ni personne. Rien, cela vaut pour les causes extérieures. Ni personne. Hein. Et l'on retrouve le parallèle tracé au début de cette séance entre le deuxième homme ou deuxième agent et le monde intérieur des croyances et des désirs. Pour Chisholm, nos désirs ne peuvent pas plus déterminer causalement nos actions que les contraintes externes. La thèse vaut pour les désirs, pas seulement pour la contrainte externe. Si nous sommes ainsi des premiers moteurs non mus, et si nos actions ou celles dont nous sommes responsables ne sont pas causalement déterminées, alors celles-ci ne sont pas causalement déterminées par nos désirs. Et ceci signifie que la relation entre, d'une part, ce que nous voulons ou ce que nous désirons, et, d'autre part, ce que nous faisons, est loin d'être aussi simple que le voudraient la plupart des philosophes. Qu'est-ce à dire ? Et nous allons terminer sur ces considérations dans quelques instants. Qu'est-ce à dire ? Il y va de la prédictibilité. Liée au type de nécessité logique ou causale qui règne dans les sciences de la nature, ou plus simplement dans le domaine, de quelque façon qu'on le définisse, de ce qui est soumis à des lois nécessaires autorisant la prévision. Chisholm ne distingue pas nettement désir, croyance et vouloir par rapport au faire. Plus exactement, il traite leurs relations comme équivalentes et ramène tout à celle du vouloir et du faire. Les deux notions articulées dans les quadrilatères du vouloir et du vouloir-faire du 6 janvier. Dernier. La relation du vouloir et du faire, dit-il, n'est ni logique ni causale. Quelques explications. Il y a deux conceptions de la relation du vouloir et du faire, selon Chisholm. La conception de Hobbes et celle de Kant. Hobbes, 1588-1679. Selon Hobbes, et l'approche hobbesienne, le hobbisme, comme dit Chisholm, hobbism. L'approche hobbesienne est celle qui prédomine de nos jours, dit Chisholm. Mais c'est la conception kantienne qui est correcte. Je souris car bon, il y a un kantien qui sommeille, hein, tout sexagénaire. L'option hobbesienne, donc, et l'option kantienne, l'une domine, l'autre est correcte. L'option hobbesienne, le hobbisme, est celle de la prédictibilité. Selon Hobbes, si nous savons quels sont
les croyances et les désirs qui habitent un homme. Premier point. Quelle en est la force? Deuxième point. Ainsi que ce qu'il considère comme certain. Troisième point. Et ce qu'il désire plus que toute autre chose. Quatrième point. Si nous connaissons en outre l'état de son corps, Fichtre, ainsi que les stimuli auxquels il est soumis, nous pouvons alors logiquement déduire exactement ce qu'il va faire, ou plus précisément, ce qu'il va tenter, projeter ou entreprendre de faire. Une petite nuance de pessimisme n'est pas incompatible avec le déterminisme. L'option kantienne est le rejet de la prédictibilité. Selon l'approche kantienne de notre problème, dit Chisholm, qui est celle que je voudrais adopter, il ne peut y avoir de relation logique entre vouloir et faire, et pas même de relation causale. Aucun ensemble d'énoncés concernant les désirs, les croyances et les situations de stimulation d'un homme à un certain moment ne peut impliquer un énoncé nous disant ce que l'homme tentera, projettera ou entreprendra de faire à ce moment. On peut certes toujours raisonner, conjecturer de manière probable l'action humaine sur la base de motifs, mais on ne peut, comme le dit parfaitement Reed, Thomas Reed, en conclure quoi que ce soit de manière absolument certaine. Probabilité n'est pas nécessité. Chisholm en déduit que, en rigueur des termes, il n'y a pas de science de l'homme. Nous ne pouvons dire, il est causalement nécessaire que, ayant tel et tel désir et croyances et étant soumis à tel et tel stimuli, l'agent fera ceci. Car l'agent, s'il le choisit, peut parfois s'élever au-dessus de ses désirs et agir autrement. L'homme, en tant qu'agent responsable, a le pouvoir de transcender ses désirs, de s'élever au-dessus de ses désirs. Cette, et je termine là-dessus, cette capacité de transcendance, de dépassement, les médiévaux la revendiquaient dans un autre contexte, dans les polémiques anti-astrologiques, en posant, par exemple, je cite, que l'âme du sage domine les astres. Un des dits attribué à Claude Ptolémée, 90-168, n'est-ce pas, attribué à, dans le Centiloquium, donc Ptolémée, qui est à la fois le grand astronome auteur de l'Almageste et le grand astrologue auteur de la Tétrabible, et celui auquel on a aussi attribué le Centiloque ou Centiloquium. Attribution erronée. Un des dits attribué à Ptolémée dans le Centiloquium, où de toute façon il ne se trouve pas tel quel, hein, l'âme du sage domine les astres. Enfin, une partie de la tradition médiévale entend cet adage, l'âme du sage domine les astres, au sens d'une élévation au-dessus des passions qui soustrait l'homme à la chaîne causale du déterminisme astrologique. Homo sapiens dominatur astris, quia per sapientiam suam potest vitare ea quae astra disponunt, dit Thomas d'Aquin. Même Ptolémée dit que le sage l'emporte sur les astres, car par sa sagesse, il peut éviter ce à quoi disposent les astres. Et toujours dans le cadre de cette discussion anti-astrologique, Thomas ajoute, de toute façon, Dieu seul, parce qu'il est son créateur, ce qui va donc exclure les astres qui sont créés, hein. Dieu seul, parce qu'il est son créateur, a le pouvoir d'œuvrer sur la volonté et d'imprimer en elle. Selon la foi catholique, n'est-ce pas, les âmes sont créées par Dieu de manière immédiate. Seul Dieu peut donc agir à l'intérieur de la volonté et exercer sur elle une impulsion. C'est pourquoi la diversité de la volonté humaine, bon, disons, la diversité, les diversités de la volonté humaine et, bon, se ramène à l'uniformité de la volonté divine comme à son primum regulans, comme à sa règle première.
première, pardon. Ce qui donne un sens nouveau pour nous à la thèse selon laquelle Dieu opère en nous ce que nous voulons et faisons. Dieu seul peut agir sur la volonté ou les actes humains. Chisholm ne s'engage pas dans cette solution. Il se réfère en revanche à une distinction bien connue, la thèse empruntée à Leibniz selon laquelle, dans la formulation de Chisholm, nos désirs, parfois, ou certains de nos désirs, inclinent sans nécessité. Je cite cette phrase et nous resterons dessus. Peut-être, dans la plupart des cas, les conditions effectives où interviennent nos désirs sont telles qu'elles nous nécessitent à agir. Mais il est aussi possible de dire avec Leibniz qu'à d'autres moments, nos désirs inclinent sans nécessité. Avec cette formule, l'homme de 18 heures rentre en scène, n'est-ce pas ? Rappelez-vous l'essai, il est un peu en retard, hein, mais bon, rappelez-vous l'essai sur le libre arbitre de Schopenhauer. Il est à présent 6 heures du soir, ma journée de travail est finie, je peux faire ce que je veux, choisir d'aller me promener ou rentrer. Est-ce si sûr ? Puis-je vraiment choisir de faire ce que je veux ? C'est ce que se demande Leibniz dans une lettre adressée à Coste, le traducteur de Locke que cite Chisholm. Je poste aujourd'hui cette lettre. Nous la recevrons dans 15 jours. Merci.